Allongez sur le dos, pliez une jambe, puis la deuxième. Basculez le bassin pour que le bas du dos se dépose sur le sol. Prenez une profonde inspiration et en expirant, tapotez le bas du dos sur le sol. Continuez les tapotements jusqu'à ce que les poumons soient vides. Puis, arrêtez-vous pour sentir les poumons se remplir. Encore une fois, prenez une profonde inspiration et en expirant, tapotez le bas du dos sur le sol. Recommencez une troisième fois. Prenez une profonde inspiration et en expirant, tapotez le bas du dos sur le sol. À présent, lors de l'inspiration, réduisez l'amplitude et la vitesse du mouvement. Pour finir, les tapotements sont les mêmes à l'inspiration et à l'expiration. Après l'exercice, allongez vos jambes et profitez de quelques respirations de détente. En inspirant, levez les bras et en expirant, détendez les épaules. Inspirez de nouveau pour amener les bras dans le prolongement du corps. Expirez profondément en levant les bras, la tête, jusqu'à vider entièrement les poumons. En relâchant, gardez vos poumons vides. Et attendez le plus longtemps possible avant d'inspirer. Appréciez maintenant l'inspiration profonde et spontanée. Pliez une jambe après l'autre et déposez le bas du dos sur le sol. Placez le pouce de la main droite dans le pli de l'aine droite. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Croisez les doigts sur la jambe. Maintenez bien le bas du dos au sol et tentez de déplier la jambe opposée. À plusieurs reprises, remplissez d'air votre thorax sans expirer. Quand les poumons sont pleins, expirez et relâchez. De la même façon, placez votre pouce gauche au niveau de l'aine gauche. Posez bien votre bas du dos au sol et croisez les doigts sur la jambe. Maintenez bien le bas du dos au sol et tentez de déplier la jambe opposée.
plusieurs reprises, remplissez d'air votre thorax sans expirer. Quand les poumons sont pleins, expirez et relâchez. Inspirez et expirez profondément jusqu'à vider les poumons et pincez-vous le nez. Sentez le périnée contracté. Prenez une fausse inspiration. L'air ne rentre pas dans vos poumons, mais le diaphragme remonte. Ensuite, laissez le corps respirer. Inspirez et expirez profondément jusqu'à vider les poumons. Prenez une fausse inspiration. L'air ne rentre pas dans vos poumons, mais le diaphragme remonte. C'est la rétraction abdominale, le secret du ventre plat. Glissez vos mains dans le creux du dos, au niveau de la taille. De respiration en respiration, laissez les mains emporter le bassin pour étirer le bas du dos. Prenez soin de garder votre menton rentré pour que votre nuque soit proche du sol. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que vous sentiez votre bas du dos bien à plat sur le sol. En inspirant, soulevez toute une moitié du dos pour l'étirer vers la tête. En expirant, reposez cette moitié du dos sur le sol. De l'autre côté, en inspirant, soulevez l'autre moitié du dos pour l'étirer vers la tête. En expirant, reposez cette moitié du dos sur le sol. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que vous sentiez le haut du dos bien étiré. Glissez les doigts sous la nuque et en expirant, laissez les doigts emporter la tête pour étirer la colonne cervicale. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que vous sentiez votre colonne cervicale détendue. Profitez de quelques respirations pour ressentir les bienfaits de cet exercice sur tout le long de la colonne. Commencez par inspirer et déposez le bas du dos sur le tapis. Puis, expirez en prenant appui sur les pieds, levez progressivement la colonne. Lorsque vous arrivez au niveau du haut du dos, roulez les épaules en dessous du corps pour que les omoplates et les coudes se rapprochent les uns des autres. À ce moment, décontractez les muscles fessiers et du dessus des cuisses. Soulevez les bras en inspirant, détendez les épaules en expirant et envoyez les bras jusque là où ils pourront aller derrière la tête. En laissant le corps respirer librement, amorcez la descente en ayant conscience que les vertèbres se déposent dans l'ordre
et en veillant à ce que le bas du dos touche le sol avant les fessiers. Ramenez les bras le long du corps. Écartez les pieds à la largeur du bassin. En inspirant, laissez les jambes descendre à gauche et la tête tourner à droite. Expirez, revenez. En inspirant, laissez les jambes descendre à droite. Reculez la tête pour mieux la tourner vers la gauche. Expirez, revenez. De nouveau en inspirant, laissez les jambes descendre à gauche. Reculez la tête pour mieux la tourner vers la droite. Laissez les poumons se remplir jusqu'à ce que le thorax se gonfle. Expirez et revenez. De l'autre côté, en inspirant, laissez les jambes descendre à gauche, reculez la tête pour mieux la tourner vers la droite, laissez les poumons se remplir jusqu'à ce que le thorax se gonfle. Expirez, revenez. Encore une fois, de chaque côté, en laissant le corps respirer.